Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose qui va arriver dans peu de temps. Prophète, vous parlez encore. J'avais déjà dit ça, je vais réitérer un peu rapidement. Et je pense qu'il y a la CAN en Côte d'Ivoire en 2023. C'est ça, papa. Il faut que tu puisses prier pour que l'eau ne puisse pas détruire cette fête-là. Notons cette prophétie. Il faut que tu puisses beaucoup prier pour que la pluie, la tempête, les orages ne puissent pas détruire cette fête. Je le dis simplement et humblement comme ça. C'est comme ça qu'il parle généralement. Yes. Et les gens ne prennent point garde. Et puis on constate tous. Yes. D'accord? Donc prie en fonction de cela pour la gloire de Dieu. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel.